Le Liban craint le pire au lendemain de l'assassinat du chef des renseignements de la police. Fer de lance contre le régime syrien, Wissam al-Hassan enquêtait sur plusieurs attentats attribués à Damas ces dernières années. Sa disparition plonge le pays du Cèdre dans une période de danger sans précédent, selon la presse locale. Les stigmates de l'attaque sont toujours visibles à Beyrouth et dans l'esprit de ce témoin. Notre maison est juste à côté du lieu de l'explosion. Quand c'est arrivé, nous nous sommes tant inquiétés. Nous avons pensé à nos enfants, à l'école ou à l'université. C'est un désastre. Hier, l'attentat a fait 8 morts et 86 blessés. Certains soupçonnent Damas et son allié chiite du Hezbollah d'être à l'origine de l'explosion. Ce n'est pas la première fois que le régime syrien est ainsi montré du doigt pour des assassinats de responsables libanais.